Marco. La show contre Dark Jewa, final loser de poule hein, de la poule de Gavarni. Enfin, final loser de la poule de Gavarni. Voilà, Buster Remix, Dalsim, Lord DVD, Honda. Buster Remix qui a fait très très bon parcours hein, jusqu'à présent. Rare de voir des Dalsim, rare de les voir aller loin. Du coup, dans un match-up qui n'est pas forcément évident pour Lord DVD, comment ce dernier va s'en sortir et gérer ça? Comment va-t-il réussir à se dire? Voilà, bien joué, une très très bonne garde. Regardez l'Instant Overhead, une EX d'Oskoy. Il prend Glissade Chop avec Yoga Fire en multi et l'Instant Air Téléport pour backdasher. Un DVD qui n'est pas non plus le joueur le plus agressif de l'histoire, qui va attendre la bonne opportunité pour venir casser tout ça. C'est sûr qu'on va pas se casser la voix sur ce match, mais Buster Remix doit éviter de gaspiller ses barres de EX comme ça. Non, les femmes de téléphone, DVD réagit immédiatement en faisant saut arrière, ne reprendre aucun risque. Il est très légèrement en avance en énergie, et lui très légèrement en avance en énergie, ça signifie bah je suis bien, je peux me poser. En plus il a les conseils de Net, ça c'est très important. Net qui n'a toujours pas attrapé de Miamiasu, mais qui reste derrière DVD, hein, puisque... conserve une fanbase très puissante, puisque 12 secondes de jeu dans ce match et Buster Remix n'a toujours pas tenté d'attaque on va dire assez puissante pour faire assez de vie. Et en fait le... oh, t'es sérieux oh non t'es sérieux mec, est-ce qu'il a volé DVD, est-ce que... oh magnifique. Voilà, en bonne et due forme, DVD qui n'a pas eu la dernière garde. En même temps, les deux vont camper, donc ils s'exposent à des situations comme celle-ci. Et c'est le premier time over, quoi. Il a volé, hein, c'est propre. Non, il y a rien, moyen point, BAMP, il dit ça bien cancellé. Sur arrière, gros point, stand, gros point, bien sûr. Sur le sumo press, un peu trop rapide. D'un DVD qui a toujours pas fait de piano input de sa vie. Ah, Stan Far, gros point, c'est bien joué pour casser la téléportation. Il va pouvoir reprendre de la distance, vous voyez, il prépare son max. Alors que DVD charge à Ucho Nage dans le vent. Et rend des ex-Doskoy dans les normaux. Toujours en retard, hein, cela dit, un DVD à la vie. Alors c'est très important de bien constater quand on joue avec un DVD. Oh, il a mis de ses patates de forain là, sur ce gros point. C'est une des grandes qualités de leur DVD, c'est aussi peut-être son plus grand point faible. C'est qu'il est très passé. C'est attendre. Mais le truc, c'est que quand t'attends comme ça, tu ne crées pas forcément les opportunités. Le spectateur, c'est aussi la gestion de la prise de risque. Cette gestion, elle l'a bien évité. RMK, Yoga Flame, cassé pour mettre les X-1000 masques, qui va le gratter. Non, il aurait pu continuer piano input. Il aurait pu casser piano input. Je sais même pas comment ça finit par rentrer, parce qu'il a trois occasions de placer les X-1000 mains. Et finalement, c'est que la troisième qui finit par rentrer. Patate ultime, et il continue de faire un Doskoy EX Sumo Press pour essayer de rattraper les sauts arrière, mais il n'a jamais rien rattrapé du tout, malheureusement. Ah voilà, sans agressivité dans le jeu de DVD. Il veut aller devant et du coup, bien Buster Remix répond à cette agressivité en lui aussi donnant en devenir soi-même. Ça, c'est dans la gueule ou pas? C'est tellement plein tête. Je rappelle à l'Ultra 1 de Honda qui ne sert à rien. Et qui est parfaitement utilisé quand même par DVD. Non, Stan Nightwatch, il manque de piano, mais il préfère sortir du coin avec un reset Ucho Nage. Ucho Nage, comme il aime dire. Et ça va le gratter. Hein. Va aller jusqu'au grattage. Le grattage est garanti. Comme le PC. Et je sais même plus quel sponsor utiliser pour leur DVD, mais leur DVD mène 1-0 à présent dans ce match. Match-up difficile hein, tout de même, le DVD est patient, il gère bien globalement les opportunités qu'il a, mais il pourrait faire beaucoup plus mal parce que le nombre d'ouvertures qu'il se procure des fois qui se termine en bas petit point saut, on sait pas. C'est pas vraiment ce qu'il essaye de carotter. Ouais. Malheureusement, sans ça, c'est difficile de faire le cross-up de Dalsim. La Dalsim a un cross-up. Hein. Cross-up
officiel Medium Kick. Très en retard, leur DVD qui saute par-dessus ce Exuga Fire. Il se fait casser par saut moyen point à chaque fois. Petit pour se rapprocher, Sumo presse pour faire n'importe quoi. Et DVD qui va maintenant être agressif parce que sinon, bah, le round est perdu hein, de toute façon. Donc on attend. Et on attend que DVD se procure l'occasion voilà, de presser. Très très bonne série de deux titres trop. Et la super qui peut tuer. Allez, super. Ouais, il va faire un combo Red Focus et Ultra. Est-ce que les Red Focus sont pas un dommage si important? Ghost Boy. Magnifique combat de Money Match Lord DVD. Et Lord DVD qui se procure donc une balle de match. Je rappelle que le vainqueur ira donc affronter Gagapa. On pourra avoir un DVD Gagapa, finalement un Mountain Fest hein, quelque part. Arrière MK mais pas de cancel. Commence à un peu perdre peut-être son rythme. Parce que là DVD est en train de le sacrifier. Il fait coup de cul. Voilà, il a débranché le cerveau et finalement ça marche assez bien. Mister Mix est bien qu'en avance. Assez intimidé par le jeu de DVD. Faut comboter. Pas de combo, on joue à la manette, on peut pas trop lui en vouloir. C'est difficile. Téléport. Waouh, ça aurait pu terminer de façon catastrophique. On rappelle que l'Ultra 2 de Buster MX ne lui a jamais servi à rien du tout. Hein, de tout le match. Alors qu'une petite Ultra des familles aurait été tellement sur toute une console. Il a attendu évidemment la téléport pour mettre l'Exoscoy et DVD qui a un dégât de grattage de la victoire. Voilà. Il va aller chercher les embrouilles, mais il faut même pas aller chercher les embrouilles. Dès qu'il appuie sur avant, normalement tu peux venir l'embrouiller avec une centaire téléport cross-up. Mais là, il voit pas les phases où DVD casse sa charge pour rien faire. Ah, bien joué. C'est quand même procuré ce téléport, mais c'était super risqué hein, parce que là, DVD il avait sa charge de conserver en fait. DVD n'aura pas eu sa fameuse balle de match, malheureusement. Mais enfin. Pas. Balle de match des deux côtés partout et de façon sine qua non. DVD, être prudent sur sa façon d'avancer. Ouais, Yoga Tower pour éviter ce Doskoy. Bien puni par la chop par contre le saut arrière là. Il est cassé le gros. Il va l'agresser. Voilà, il a sauté, Il va essayer de l'avoir. Il va faire un peu tous les coups de la terre jusqu'à ce qu'un Oicho Noge passe. Ça c'est cross-up, c'est bien gardé. La téléport ne punit pas la nouvelle agression de DVD. Oui, il peut faire backdash tôt de continuer. Beaucoup de yeux, c'est un peu trop tôt, je pense. DVD qui retombe sur ce Mega Fire, il commence peut-être un peu à rentrer dans un rythme agaçant. Dès que Buster MX qui se lève et qui confirme une ultra qui sert à rien, mais qui punit le Mega Fire de l'autre bout de l'écran. Et là, attention, parce que c'est Lord DVD la balle de match, hein, quand même, ça rigole pas. Il essaie de décaler son pif. Et du coup, bah, il trouve juste la garde. Là, il y a une grosse punition derrière ça. Arrière MP, c'est bon. Il faut réussir à placer l'Ultra 2 ou quelque chose. Il a repris l'avantage grâce à un arrière gros point. DVD qui essaie de passer au travers du Gafire avec un Exoscoy et qui backdash dans un Gafire et qui se fait gratter par ce Gafire et qui est en train de subir la flamèche. La flamèche qui parcourt le terrain. Mais il saute pas en avant, malheureux. Il a de nouveau l'ultra. Oh là 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 là, mais DVD a tellement de chance sur cette fin de round. Voilà, voilà. Bonne distance, suite Vincent Overhead. Et Buster MX. Buster MX qui est motivé. Buster MX qui a donc, eh bien, une situation d'égalité avec DVD. Très bonne téléportation hein, pour éviter ce Dosoy. Ne vous endormez pas, on y a. C'est bientôt. Ça va aller. Dosoy, on te dit. Franchement, le Buster MX gère plutôt bien. C'est un match-up évidemment gérable, mais il ne faut pas faire d'erreur. DVD est super agressif à partir du moment où tu arrives au corps à corps. Et c'est très agaçant pour un Dalsim d'avoir un mec qui tourne autour comme ça et qui essaye de te choper à l'infini. Ça serait dommage quand même pour Lord DVD de perdre contre Buster MX. Mais c'est un peu que le meilleur gagne. Il n'est pas fini. Il est même compris. C'est une centaire téléport. Il a mis son coup à DVD. Maintenant il se barre. Et...
prendra son ultra 1, c'est d'arriver quand même. Hein. Comment va-t-il se relever, sachant qu'il n'a pas d'ultra 1 à piffer? Comment va-t-il se relever? Eh ben, on chope. Hein. Voilà, le DVD, il est rentré dans la shop. Pourquoi t'es rentré dans la shop, DVD? Oui, Ryan, s'il te plaît, explique-lui. Voilà, voilà. Ryan, il lui dit. Ryan, il lui dit. Ryan, il a compris. Il a compris comment DVD doit passer au travers de ça, parce que là, DVD, il est un peu embourbé dans la presse. Voilà, comme ça, le corps à corps, ce gros point avec le bas petit point. Bas petit point dans les téléporteurs. Maintenant, bas petit point. Des mille mains. Faut pas le laisser aller en arrière. Par contre, c'est vrai que sur Exoscroy, maintenant, il est très, très, très fortement négatif. C'est assez gênant, on garde. Commencer à mettre la pression, essayer de pas trop prendre de coups dans la bataille. Honda, il est quand même motivé pour rester Honda, un DVD info. C'est tout à son honneur hein, quand même. Hein. Honda. Du coup, voilà, ça doit lui faire bizarre de jouer un vrai jeu après autant de sessions de Mortal Kombat. C'est absorbé par la Focus, ça, il fait quand même super attention. Burster X en retard à l'énergie, mais c'est cette Ultra 2 qui sert à rien. Ça déconne. Qu'est-ce qu'il est plus là? Il l'a carotté, DVD qui... Ultra 2, oui, oui. Voilà, ça sert que si DVD il piffe et il le piffe dans le vent. Brrr. Allez, de vie, le BMP encaissé derrière ce Yoga Fire. Et la DVD qui est au 0 de vital, c'est là où DVD est le plus fort. C'est là où DVD a montré le meilleur. Il va se passer quelque chose d'exceptionnel. Lors DVD, en mode Super Saiyan, c'est comme Umehara Daigo. Voilà, il prend un Stand Nike qui est malheureusement, c'est fini. Victoire donc de...